une news, une vidéo, célébrer avec Jiba. Aujourd'hui, il a aussi été révélé les tokens de l'extension. Il y en a 16, et il n'y en a pas dans toutes les couleurs. On commence par les Spawn Eldrazi, qui sont à peu près les mêmes qu'à l'époque, dessinés par Véronique Meignot, celui d'avant, Marc Tedin, Alexis Briclot, et bah, c'est tout. On passe au token blanc. On a Spirit, on a le Soldat, la féerie du Bitter Blossom. Je crois que celui-là a un dessin différent de d'habitude. Les autres avaient des dessins déjà connus. Le token Germe pour les Living Weapon qui existait déjà, qui est le même qu'à l'époque, qui est toujours aussi classe. Le Strul, alors lui, je crois que c'est la carte bizarre que je vous ai révélée l'autre jour, que je ne savais pas d'où elle venait. Je vais vous l'enlever, il est vraiment moche ce truc. Tiens, un mini snake, j'ai pas resizé de la bonne taille, un vieux token qui existait déjà. Un Saproling, alors lui je crois que c'est un nouveau dessin, il est plutôt rigolo. Un insecte qui ressemble beaucoup au token de Ant Queen. J'ai entendu parler d'Ant Queen, mais je crois que j'ai pas encore vu la carte qui allait avec, donc je sais pas si c'est encore des rumeurs ou pas, mais ce token semble vouloir dire que peut-être si. Le bon vieux loup, alors celui-là vient de Zandikar, je crois. Il est très très beau ce token loup, très gracieux. Un mini éléphant, encore une fois, une petite erreur de resize de ma part. Le token worm, je ne sais plus d'où il vient, j'ai l'impression que c'est celui qui allait avec. Je mets un token par terrain que j'ai dans mon cimetière, je ne sais plus. En tout cas, c'est du Shadowmoor. Le golem 3-3 de la fonderie à golem. Et le mirror, le magnifique mirror de Scars of Mirrodin. Voilà pour les tokens.